About 12 minutes ago, the aircraft carrying Michael Kovrig and Michael Spavor left Chinese airspace and they're on their way home. They boarded at about 7:30 Ottawa time, along with Dominic Barton, Canada's ambassador to China. These two men have gone through an unbelievably difficult ordeal. For the past 1,000 days, they have shown strength, perseverance, resilience, and grace, and we are all inspired by that. I want to thank their families who've been there for them, supporting them in every way they could, and supporting us in the work we've done to secure their release. I want to thank the countless diplomatic and other Canadian officials who have been tireless over the past 2.5 years to secure the return of these two Canadians. I want to thank our allies and partners around the world and the international community who've stood steadfast in solidarity with Canada and with these two Canadians. And finally, I want to thank Canadians who have kept them in our thoughts and remain determined in the core value that Canadians have of standing up for each other and looking out for each other. These two men have been through an unbelievably difficult situation, but it is inspiring and it is good news for all of us that they are on their way home to their families. Il y a 12 minutes, Michael Kovrig et Michael Spavor ont quitté l'espace aérien chinois en route pour la maison. Ils sont à bord de l'avion avec notre ambassadeur en Chine, Dominic Barton. Ces deux hommes ont vécu pendant plus de 1000 jours une épreuve épouvantable. Ils ont fait preuve de détermination, de grâce, de résilience à chaque étape et ils sont une inspiration pour nous tous. Je remercie leurs familles qui ont été là pour les appuyer et pour nous aider dans le travail que nous faisions pour les libérer. Je remercie d'innombrables diplomates et fonctionnaires qui ont dédié des heures, des jours, des mois, des années de leur carrière à ramener ces deux Canadiens. Et je veux aussi remercier nos alliés à l'international qui ont été là, solidaires du Canada et de ces deux Canadiens à chaque étape. Finalement, je veux remercier les Canadiens eux-mêmes. D'un bout à l'autre de ce pays, vous avez été là en train de garder ces deux Michael dans vos pensées, dans vos prières. Et vous avez démontré qu'on est là les uns pour les autres quand on est dans des moments de difficulté. Je serai... J'ai toujours été... Je serai toujours touché et impressionné par la force de caractère de ces deux hommes, comme nous le sommes tous.